Bonsoir, bonsoir. Coucou, coucou. J'aurais fini de tout régler, hein, parce que... Ah, c'est que j'ai pas mon verte partout. Bon, faut pas que j'utilise le principal. Ok, bon, on va faire comme ça, si ça s'arrange. Alors, la chaîne de chat. Hein. Voilà. Vous aviez pas le son jusque-là, hein, je vous rassure. C'est normal. C'est une nouvelle scène. Voici Donkey Kong Country. En dark. Pourquoi ça marche pas? Salut Maître Bug. Comment tu vas bien? Bon alors j'ai des nouvelles scènes mais qui sont pas opérationnelles encore. Donc on est censé avoir une caméra OP. Et sans le fond. Le truc de fond. Il est caché où lui? Cadre en travaux. Où j'ai caché mon cadre de caméra? C'est plus. Grave docteur, hein, quand vous avez des trous de mémoire. Hein. Oui, montre pas ma cam, c'est entendu. C'est bien ça. Tac, voilà. C'est mieux. Il est fatigué, bug. Ah bon? Alors, le son du jeu doit aller peut-être un peu fort. Baisser un peu. Voilà. Waouh, je suis pas spécialement plus en forme, mais bon. On fait avec. Ah, c'est comme un mercredi, quoi. Ouais. Bon, on a tout qui est prêt. Il reste plus qu'à changer le titre du stream et ça sera beau. Modifier les infos stream. Alors, nous jouons à Docteur. Oh, Docteur. Pense bien à Docteur Mario. Donkey Kong Country, la suite. Oui. Père des singeries. Ça fait de beau pour être si fatigué que ça, mon cher. Donc là, le jeu, il est prêt. Voilà. On devrait voir le là. C'est. Je comprends pas, par contre, c'est qu'il me le met vraiment n'importe comment. Mais bon. On va pas regarder l'écran là-bas. Tu travailles beaucoup. Bien sûr. Je comprends. On va laisser la santé, mais on en fait parfois un peu trop. C'est pour ça que des fois, il faut sortir la console et puis s'amuser un peu, quoi. Alors, du coup, normalement, on va pouvoir balader avec les barils. Ouais, après, bah, ça va aller, hein. Il faut se poser de temps en temps. Est-ce que tout va bien au niveau du live? J'ai réussi à choper la fenêtre. Voilà, c'est un peu mieux. Hop, ça a l'air d'aller, hein, niveau son et tout, tout va bien. Stuck, impeccable. On est happy. Alors, il peut nous emmener, je ne sais pas où, ça tombe bien. On va y aller. Mine des macaques. Ah oui, ce niveau-là. Effectivement. J'avais oublié. Bon, on est passé de l'auberge. On va se remettre en route. On peut changer. Un magnifique thème, hein, soit dit en passant.
grenouille tellement, tellement, tellement exploitable. Hein. Ah, déjà la grenouille, c'est mort. Ah. Ça commence mal. Très mal. Pom pom. On va dire que c'est l'échauffement. Hein. Malheureusement, pour choper ces bananes-là sans Didi, ça va être compliqué. Ah bah c'est gentil. Et bah bonne nuit mon ami. Tu peux aller te reposer si t'es fatigué. Ce qui est normal. Hein. Exit. Bah merci de ton passage. C'est bien gentil. Et repose-toi bien surtout. C'est parti pour le calvaire. J'ai pas raté. La mort du petit cheval. Voyez, début de la fin. Là, j'aime pas parce qu'on démarre au mauvais endroit. Bon. Ah, cet endroit où on meurt tout le temps. Une vie. Pom pom. Pom. Il serait bien, ce serait de pas crever à chaque fois. De garder le Didi, mais... On a un autre comme ça. Tour de la mort du petit cheval, volume 2. Le niveau est terriblement difficile. Là, je sais d'avance que j'ai perdu. Pom 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 pom.
Ah, je ne sais même pas pourquoi je continue. Parce que... Aïe. Aïe. Épisode 2. Je pense que là, c'est game over. Voilà. Ça commence pas bien. On va retourner au baril, ou alors on va chercher des vies avant. Pom pom. Pom pom pom. Là, on va récolter des bananes. Et une vie. Doudoudoudoum. Et on refait le niveau une deuxième fois. Et c'est parti pour 11 lignes. 12.
Niveau bonus. Vie. Non. Pourquoi? Et qui commence comme eux. Loulou, comment tu vas? Le petit. Une nouvelle. Bah, ma foi, bien. Je fais des vies. Dans Donkey Kong. Ah, PlayStation Junior. Sur la Super NES. La Real Super NES. C'est la vraie machine. D'ailleurs, ça doit se voir un petit peu au grain. Mais c'est ma vie. Concentré parce que sinon, ça va être le bordel. Mais oh! C'est la vraie console. Real Hardware. Alors là, c'est la vraie Super NES. Même si j'avoue que l'image fait un peu mal aux yeux, là, mais bon. Peut-être moi qui suis fatigué, je sais pas. Mais bah. Alors, on va reprendre le tonneau et on va repartir vers le niveau où on était tout à l'heure. Avec une vingtaine de vies. Essayer de finir ces foutus tonneaux. Il y a Funky. Ah, mais c'est qu'on est obligé de tout refaire à chaque fois. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a du temps. Et je veux ma garnole. Milieu du niveau. Et Didi le retour.
Un max de bananes. Je sais pas prendre les bananes du haut. Doudoudoudin, doudoudoudin, doudoudin, doudoudin. Bon, deux bananes. J'ai une vie. Ouais. Dans le zozio. Ah, j'ai pas eu le haut, tiens. Aïe. Donc ce niveau-là, formalité, pour l'instant. Ça aurait pu être pire. Maintenant que ça va chier les bulles, le niveau avec les trucs de... Ce niveau-là, c'est une saloperie. Toujours peur de tomber dans ce niveau de merde. L'objectif pour l'instant, c'est d'atteindre le milieu. C'est déjà un début. Ça commence mal. Il porte bien son nom, ce niveau. Hein. Carnage du féo miné. À chaque fois, je me fais avoir. Je vais encore perdre 15 000 vies juste là. C'était pour la partie mode d'emploi. Punaise. Le jeu se venge. En fait, ce jeu a une vengeance intégrée. Si t'as plus d'un certain nombre de vies... Possible ça. Comment que ça se fait? Je vais pas y arriver. Alors que je vais perdre, je sais pas combien de vies là-dedans. Alors je suis arrivé sans aucun problème. Du moins jusqu'au milieu du niveau. Là je vais merder. Aïe. Ah,
Non, son niveau, ça fait un moment que je bute dessus. Voilà, c'est mort. J'ai pas mes deux bonhommes, c'est pas la peine. En plein dans le mille. Tu donnais d'être encore à 20 vies. T'as déjà joué à ce jeu? Ouais, je suppose que oui. Tintin. Donc quiconque premier du nom. Et mes deux, donc et. Ah putain, c'est le trou de la mort ça. Y a quoi devenir dingue avec ce jeu? Je me renchaîne. Ouais, c'est du quasi par cœur. Hein. Erreur fatale. Ouais. C'est pas la peine d'y penser, ça aurait pas marché. Une seule goutte d'eau? Sérieusement. Courage. Concentration. Et même pas possible. C'est complètement incroyable de mourir bêtement. Ah mais il veut pas, hein, c'est fou, hein.
Je pense que je vais péter un plomb. Ah, c'est ça, en fait. Si je freine pas, ça passe. Bon, évidemment, si je meurs, ça passe moins bien. Mais... Je pense qu'on va gâcher au moins 25 vies avant d'arriver à passer ce niveau. Bon, j'aime toujours autant ce jeu, hein, mais ce niveau est un enfer. C'est clairement le niveau des enfers. C'est... Non, mais sérieusement. Où est-ce qu'il faut que je saute, bordel? Voilà, c'est foutu. Voilà, comme ça, c'est réglé. Celui qui a eu l'idée de faire ce niveau est un taré. Il est sans... Bon là c'est mort de toute façon. J'arrive pas à passer le deuxième endroit sans... Voilà, là j'arrive pas à passer donc... Si, sans perte de vie donc c'est pas la peine. Quoi.
Et comment on peut passer ce truc? Si on meurt pas avant, on meurt après, de toute façon. Dis-moi qu'on est au bout. C'est un niveau d'enfer. Il est infernal ce niveau. C'est pas un checkpoint. Je vais user les 22 vies. Hein. Clairement. Il est parti pour, hein. Je me débrouille mieux, hein, mais bon. C'est mort. Jour là. Non, ça c'est mort. Ici. C'est mal barré. Alors t'avais joué à ce jeu là déjà, nous? Boum. Là, je suis à 4 vies de la fin là. Jamais joué à Donkey. Bien dommage, t'aurais bien ragé dessus. Regarde. On prend toujours Donkey. Ah oui, Donkey. Il est assez lourd dans Mario Kart, donc. Du coup, il tourne mieux. Mis à part ça. Bon, après, il y a quand même des réflexes de la Super NES à l'époque qui reviennent parce que. Le niveau, j'en ai passé du temps dessus. Boum. Bah, ok. Restons zen. Trois vies. J'arrêterai là pour ce soir sur celui-là. Hein.
Parce que c'est le genre de niveau où il faut pas s'énerver. Le problème, c'est que moi, ça m'énerve bien. Déjà là, je suis énervé dessus. Boum. Ouais, KH et le Fémorier du même genre. Ça va pas me donner envie d'y jouer, KH et le Fémorier. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la dureté. Le problème, c'est qu'il vaut mieux garder Donkey et Didi, parce que ça fait deux vies si on garde les deux. Enfin, deux vies. Le problème, c'est que si tu tombes dans un trou, ben, ça vaut plus rien. Quand tu tombes dans un trou, il n'y a pas de deuxième chance. Là, exemple là. Il fait que j'ai pas le droit de me rater ici. Non, ben, c'est mort. Oh putain. Ça te prend les nerfs sur Cash ou sur Donkey? Si t'as une Switch et l'abonnement Nintendo, tu peux y jouer, donc il est dans le dans la beau Switch. Enfin, sur la partie Super NES de l'abonnement Switch. It. Game over. Bon, les dernières chances de réussir. Et là, je le réussirai, je mourrai au prochain niveau. C'est logique, hein, c'est Donkey Kong. On va dire que c'est de l'entraînement, mais bon. Sérieusement, je suis même pas mort. Ça va pas durer, hein. Ah, ça, c'est impossible à prendre, hein, ce truc. Je vois pas du tout comment je peux faire. Voilà. It's the game over. Ben, des petits streams de la muerte pour montrer à quel point c'était pas bon. Donc, okay. Bon, de toute façon, c'est plus un essai pour montrer un peu le truc et puis voir si tout fonctionnait bien. Bonjour. Je suis heureux de t'avoir vu, ma chère Lou. Ça fait plaisir. Il est parti, monsieur Matrix, il n'a même pas dit bonjour. C'est quoi cette histoire? Pas de soucis, tu m'étonnes. Bon, je retente pas maintenant parce qu'il faut que je me retape toutes les vies ou alors je me refais juste quelques vies avant. Bah, je peux pas sauver là-dessus, c'est vrai. Il faut que j'en prenne du début à chaque fois. Ah, il me semble. Attends, je vais regarder si je fais un petit niveau de plus. Ah non, je peux sauver. Je peux sauvegarder. Donc je peux aller faire des vies. On va aller faire quelques vies, allez. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas à tout refaire. Alors pour faire des vies dans Donkey, c'est pas compliqué. On fait le niveau 1. Mais non, pas là. Là, c'est les bananes qu'on nous a volées. Moi, voler mon banane. Doudouille. Donc, l'avantage, c'est que dans le premier niveau, on a des vies gratuites à peu près partout. Donc, si on fait le premier niveau, on a au moins, je dis bien au moins, 3-4 vies à récupérer. Évidemment, c'est quand on est doué, hein, parce que
Quand on est comme moi, on récupère pas 4 vies. Hein. On va récupérer le rhino, c'est moi. Et le lettre Kong qui nous écrivent des vies. Tadam, tu vois ça clignote ça. Ça te donne envie de redémarrer Steam. Hein, je n'ai pas eu de problème, moi. Allez, on la refait encore une fois. Alors, c'est un peu chiant, mais ça permet d'avoir pas mal de life pour pouvoir démarrer la suite, parce que après, le problème, c'est que on réussit pas toujours à faire du premier coup. L'idéal, c'est aussi de choper les vies qui sont dans les arbres, mais bon. Et là, si je récupère les trois canards, là, ou je sais pas quoi, eh ben, je peux avoir un niveau bonus qui me permet d'avoir des vies aussi. Globalement, le jeu est pas si dur, à part ce niveau, le niveau des tonneaux, là. Enfin, le niveau des tonneaux d'un certain endroit, je sais plus lequel. Un peu plus loin, il y a un niveau complet avec des tonneaux et le niveau de la mine est une véritable horreur. On va faire le niveau bonus. Le principe, c'est de récupérer le plus de bestioles possible. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux de bébêtes. Allez, on fait 400. Ah, oh, putain, il en manque 3. Dommage. J'ai quand même une paire de vie en plus, mais bon. Thank you.
Alors, désolé pour le côté répétitif du niveau, hein. Un petit peu chiant, mais en même temps. Presque eu. Ça m'inquiète pas vraiment, mais c'est toujours un peu con de devoir faire 20 fois le même niveau, quoi. D'un autre côté, ça fait partie du jeu. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauver avec ce nombre de vies là. On va tenter l'autre quand même, mais bon. Pom 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 pom. Rien. Ah oui, mais dans tous les jeux, le farm de level, c'est chiant. Hein. Mais là, le problème, c'est que tu farmes pas des levels, tu farmes des vies. Et... mais bon. Je veux dire qu'après, quand t'as pas le niveau et que tu dois te faire ce qu'il faut pour y arriver, donc, et lui, il peut taper l'argument les plus gros. Hein. Sans problème. Là où Didi, il est capable de sauter plus haut. Lui. Vingt-cinq vies. Faudra au moins ça. Pas une dîne dernière. Après, je pourrais tenter les 40 vies, mais... pas 40. Les 99 vies, mais bon. Bonus. Ce qui est bien, c'est que tous les trois niveaux, on a le bonus. Allez, il y avait moyen de faire les 4 vies. Hein. Voilà, on a nos 30 vies. Ça va quand même assez vite, mais bon.
Dommage. Ah, du coup, on va aller sauvegarder ça. Sauvegarde où? Donc là, on a sauvegardé avec 30... 31 vies, je crois. Hop, reviens. Un petit peu plus. J'en profite pour régler un problème technique. Hop. Yeah, ça marche. Ah, ça marche. Bon, ça veut. Donc, apparemment, il y a un problème avec les caméras du tech. Source, stream tech, caméra Nvidia off. Caméra PC. Marché, logiquement. Voilà. Une seule en fait. On en retente une pour voir. Donc là, c'est le niveau juste avant. Donc là, j'ai une grenouille en animal de compagnie.
Du coup, on peut prendre toutes les bananes. Voilà, c'est carrément simple avec ça. Et c'est maintenant que le calvaire commence. Et c'est là que je réussis avec les 30 vies. Non. C'est quand même fou. Ce niveau est une horreur. Je persiste. Ce niveau est une horreur. Voilà, venu sur les lieux du crime. Et là, je vais le passer, tu vois. J'y ai cru. Juste avant de me prendre le truc en pleine face, j'y ai cru. Il y a moyen de récupérer des vies, déjà. C'est déjà un bon signe. Comme j'ai pas loupé la moitié des lettres sur le premier aller. Prenons-le calmement. Alléluia! Incroyable! Alors là, tu vois comme quoi, hein? Et quoi, il faut faire autre chose et puis y revenir. Ah, mais con! C'est toujours comme ça, bah ouais, c'est classique. Tintin. Ah merde, j'ai trouvé le bouton. Et la randouille. J'aimerais bien arriver à la cabane de sauvegarde en fait. Là, mais je l'ai fait exprès ou quoi? Inverse les boutons comme sur la manette sur le PC.
Nivo ne me dit rien. Et con. Mais pourquoi? Alors, il n'y a pas une touche pour faire des... copains-copains, il me semble. Malin comme une singe. Oui, je vois avec mon... Oui, je vois avec ma rouille. Ça c'est risqué, hein. Il est merdé, monsieur. Avec 30 vies, on devrait pouvoir s'en sortir. Tung tung tung.
Non. Ça pire. Voilà, on a le milieu. Thank you.
Ouais. J'avais oublié ce genre de niveau qui est pas mal non plus au niveau de difficulté. J'ai beaucoup de bol, hein. Incroyable. Non, c'est pas possible. Eh ben. Thank you.
Non. C'est pas possible. Être mission improbable, ce truc. Mission improbable. Concentration. Allez, on s'en concentre. Vous pouvez ouvrir ces chakras. Mais dans l'ambiance. Possible, ça. Mais incredible. Mais il nous reste combien de vies? 23. Va ne pas me faire croire qu'on va perdre, hein.
Ah punaise. Ah pour lui c'est quasi impossible. On va essayer, on verra bien. Il doit y avoir un truc là-haut, hein, parce que... Je suis pas convaincu là. Que... Ça sent le piège quand même. Du niveau de l'impossible. Oh. Le pire, c'est que si je gagne pas ce niveau, que j'arrive pas à la sauvegarde, je peux tout recommencer, y compris le niveau de la mine. Je pense que ceux qui ont pondu ce niveau minier là, avec la montagne et tout, c'est des tarés. Oh.
La ménère. Non. Nice. Pas possible. La main. Ça va, mon loulou. D'accord. J'essaie de finir ce niveau, je peux le dire. J'y arrive. C'est mon arme. Faut pas être loin de la sortie.
On y est. Bon, ben, c'est pas fini parce qu'il y a encore niveau là. Pourquoi ça sent la mouise? Je vais péter toutes mes lignes comme toujours. Vouloir aller trop vite. Pas bon ce qu'il fait. Il y a Bob. Bobby, ça suffit. Bob, ça suffit.
pas y arriver. Bob, il a découvert qu'il avait une voix. Le meilleur chanteur, non, il arrête pas de râler. Faut que j'arrête, hein. Je crois qu'il y est. Peu plus des niveaux de l'impossible. On va laisser tomber pour aujourd'hui. Tant pis pour ces levels-là. Voilà, j'ai perdu. Bon, ouais, tant pis. Merci. On va s'y quitter. Bonne nuit. Bye bye.